Il était difficile pour Jamie Foxx que de concilier son rôle de père et d'artiste de célébrité qui devait assister à de nombreux événements de plus en plus souvent. Son état d'esprit a toujours été d'arranger les choses, de se rendre compte que sa façon d'arranger les choses faisait que sa fille Corinne appréciait peu. Lorsque Corinne était enfant, Foxx était rarement présent à cause de son emploi et du temps chargé. Lorsqu'il en avait le temps, il choisissait de l'emmener à Disney. Il était loin de se douter qu'il confiait tous les problèmes émotionnels à Mickey Mouse, un personnage de fiction que espérait-il comblerait le vide laissé par son rôle de parent. Il lui faudrait des années pour se rendre compte que tous les voyages, les cadeaux et les biens matériels n'avaient peu d'importance pour Corinne. Disney et toutes ces choses, c'était génial, mais tout ce que je voulais, c'était de m'éclater avec vous, lui a-t-elle dit lors d'une séance de thérapie. Corinne rejoignit Foxx dans des fêtes et rencontrait des jeux comme Jake. Il s'est rendu compte qu'il était difficile de jongler contre le succès de l'artiste qu'il voulait être et les exigences de la paternité. Bien qu'il apprécie ses dépôts, ce que Corinne pensait vraiment de lui, l'artiste remercie ses filles de lui avoir laissé suffisamment d'espace pour apprendre de ses erreurs. Elle lui s'enseignait que les choses les plus importantes qu'il pouvait faire tant que père était d'être présent. Aujourd'hui, Foxx a une bonne relation avec ses filles. C'est un père protecteur qui un jour essaye d'intimider le petit ami de ses filles aînées, se rendant chez lui avec tous ses amis durs et cuir. Corinne lui a appris que des années plus tard, il a réalisé qu'après avoir vu son petit ami si effrayé, il avait pas pu tout s'expliquer. Son père avait réussi à le convaincre, lui avait fait tout un discours. Cette relation ne s'est jamais épanouie et qu'ils ont fini par rompre. Corinne les plaisantait disant qu'elle comprenait pourquoi c'était à cause de son père. Maintenant que Corinne est adulte, elle ne vit plus avec son père. Cependant, il fait de son mieux pour le convaincre de retourner vivre avec lui chaque fois qu'il a l'occasion d'entamer des conversations. La principale raison pour laquelle Corinne préférait vivre ailleurs est le nombre de personnes qui vivent dans les maisons de Foxx. Corinne a révélé que ses grands-parents, ses tantes et ses oncles, ses cousins et sa jeune sœur vivent avec Foxx dans son manoir. Et il a ajouté que son père avait même fait venir 5 amis pour vivre avec lui. Il y avait constamment des gens qui entraient et sortaient de la maison et c'était trop pour elle. Et à un moment donné, Mémé et Chio jeune vécu dans leur maison pendant quelques semaines. Foxx et ses filles Corinne ont parcouru un long chemin depuis leur séance de thérapie. Corinne quitte sa propre série sur Netflix intitulée T'arrêtes pas, tu me fantes, et déclare que Foxx est le père le plus encourageant du monde. Grâce à son soutien et confiance en elle, peut faire beaucoup de choses. Foxx ne pourrait pas être plus fier de ses filles Corinne et de ses filles Cade et Annalise. Heureux qu'en dépit de turbulentes qui ont marqué le début de son parcours parental, il ait pu rattraper ses erreurs et voir ses filles s'en sortir. L'acteur écrit toujours les messages les plus touchants pour ses filles sur Instagram, tout montrant à quel point elle les aime. Le jour du 28e anniversaire de Corinne, il est qualifié de personne les plus belles et les plus complètes au monde. Quand on a demandé à Corinne d'évaluer l'éducation de Foxx, elle lui a donné un grand plus. Elle est heureuse d'avoir un père qui pense le plus grand bien d'elle, de ses sœurs, et d'avoir vu une figure paternelle forte en grandissant. L'acteur partage son haine pour Corinne avec son ex-compagne Connie Clee, d'une ancienne de l'armée de l'air. Il est chez plus jeune fille d'Annalise Bichot avec son ex Christine Granet qui vit rencontrer Anne avant la naissance d'Annalise. Il essaie de passer le plus de temps possible avec ses filles. Les vacances à Miami et Floride, la détente de leur maison d'où essayer d'y laisser aussi de les amener à des événements importants. En 2020, il a emmené Corinne d'analyser une manifestation de Black Lives Matter et il expliquait à quel point il était important pour lui de voir ses enfants regarder le monde s'unir. Il déclarait que ce moment était doux avec un arrière-goût amer et a demandé à ses fans de changer le monde pour que ses filles n'aient pas vivre comme sa génération le fait. Avec 2 filles et une carrière planée sur Foxx, n'a aucune envie de se marier. L'acteur Danny a admis un jour qu'il n'avait jamais cru que le style de vie est cookie cutter, qui consiste à tout faire selon les règles, était fait pour lui.
Il expliquait qu'il avait observé le mariage de beaucoup de ses amis et que ceci finissait par se dégrader une fois que les enfants étaient plus âgés. Cela entraîne une distanciation de la part des enfants et c'est quelque chose qu'il ne veut pas voir se produire dans sa famille. Bien que leur dynamique familiale soit différente de celle des autres, elle fonctionne pour eux. Il est fier de dire que sa famille est remplie d'amour et c'est tout ce qui compte pour lui. Plus que ses enfants, l'acteur est heureux d'avoir sa famille proche de la maison. Il veut partager avec eux tous les hauts et les bas de sa vie, que cela lui est bien réussi. S'en dit plus sur sa famille dans ses mémoires. Aklai Gugoson s'entraîne à Zutimi d'Otestod magie comme si tu avais du bon sens et fait d'autres choses que des filles montent. Prise. L'écriture de ce livre était une affaire de famille puisque l'artiste fait de requête à ses deux enfants de les dire, leur demandant de partager les choses de leur point de vue. Bien qu'il ne veuille pas se marier, Jamie Foxx a entretenu une relation à long terme avec l'actrice Cathy Holmes. Ils sont sortis ensemble pendant 6 et à partir de 2013 afin de mettre un terme à leur relation. Ils ont gardé leur relation secrète mais ont fait quelques apparitions très médiatisées au fil des autres comme Omega et 2019. Le même mal qu'ils ont mis fin de relation. Jamie Foxx et Cathy Holmes assistent au Omega et 2019 celebrating at Notre Fashion au Metropolitan Museum of Art le 6 mai 2019 à New York. Sauf que Getty Image Holmes était celle qui a mis fin de relation quelques jours après que Foxx ait été repéré avec une autre femme nommée Soledad à Los Angeles. Le père est aperçu sous ton main et sort d'une boîte de nuit West Hollywood. Je n'aimais pas Tolmore était entendu en train de parler de son ancien petit ami. Elle le dit, ses amis se te fait jamais son affaire, nous ne sommes plus ensemble depuis des mois. Cathy Holmes et Jamie Foxx assistent Cliff Davian Jicodin Academy pour Jamie Galtan ou Jamie Salut Twin Dastigi Kwon Ojin GZ le 27 janvier 2018 à New York. Sur Getty Images, fin de compte, une source révèle aux médias que Foxx Holmes n'avait pas une relation typique. Ils vivaient dans des villes différentes et ne se voyaient qu'occasionnellement. Au cours du Memorial Day 2019, Foxx devait être avec Holmes à New York lorsqu'il t'annule 2 heures avant son vol prévu. Il t'annule et n'est jamais arrivé à New York. Cathy Holmes et Jamie Foxx assistent au Gala Cliff David Jicodin Academy près Jamie Talk Jamie Salut Twin Dastigi Kwon Ojin GZ le 27 janvier 2018 à New York. Sur Getty Images nommé 2022, Foxx est sorti public avec une femme mystérieuse. Ils ont été repérés pour les premières fois dans le sud de la France, se prélassant sur un yacht. Foxx était alors dans le pays pour le Festival de Cannes. Nouveau couple était accompagné de Corinne Lefienne et de Foxx avec laquelle il est passé beaucoup de temps pendant le voyage. Quelques mois plus tard, le couple de nouveau était aperçu cette fois au but Malibu pour une soirée en amoureux dont le restaurant préféré des célébrités. Cathy Holmes, Jamie Foxx et Cardi B assistent au Megal et 2019 celebrating at Notre Fashion au Metropolitan Museum of Art le 6 mai 2019 à New York. Sur Getty Images alors qu'il tournait Back in Action en Géorgie, Foxx se surprit tout le monde lorsqu'il est soudainement tombé malade et été emmené à l'hôpital. Au départ, l'équipe de Back in Action était informée que Foxx serait en retard sur le tournage parce qu'il était malade. Il n'est jamais arrivé sur le plateau et était transporté à l'hôpital. Le tournage était suspendu pour la journée pendant que l'on essayait de comprendre ce qui était arrivé à l'acteur principal. Le camp de Foxx refuse d'identifier sa maladie mais est informé les fans de la situation de l'acteur. C'est sa fille Corinne qui a annoncé pour les premières fois sa maladie le 12 avril, disant que grâce aux soins rapides et de qualité qu'il avait reçus, il était sur la voie de la guérison. Corinne a supprimé le message quelques semaines plus tard lorsque Foxx a pu publier son propre message. Plutôt que de se concentrer sur sa situation, il a tourné son attention vers ses amis, ses collègues et ses fans qui lui ont envoyé de l'amour au cours des dernières semaines. De première vue, même le personnel médical ne peut plus expliquer ce qui était arrivé à Foxx. Ils ont effectué des tests pour comprendre ce qui s'était passé et il est hospitalisé pendant un certain temps après le confinement. Foxx s'est nettement amélioré pendant sa convalescence à l'hôpital.
YT déclare qu'Alert Evator aurait pu communiquer avec sa famille pendant qu'il était sous observation. Fox ne pouvait plus retourner sur le plateau de tournage de Back in Action dont le tournage devait s'achever quelques semaines après ses crises de santé. Une doublure cascade les remplace et un autre homme lui servit de doublure photo. De nombreuses célébrités ont écrit des déclarations de soutien à l'acteur pendant cette période. Nick Cannon a publié un message sur Instagram après avoir appris la nouvelle et affirmé qu'il avait prié et voté pour Fox, qu'il considérait comme son frère. Nick Cannon a également laissé entendre dans son émission de radio The Daily Cannon qu'il avait fait une faveur spéciale Fox pendant son hospitalisation. Bien qu'il n'ait pas révélé de quoi il s'agissait, il est dit que cela sortirait bientôt. En plus de Cannon, KG Washington a également témoigné de son amour postant une photo de Fox sur son Instagram. Et il rajoutait « Je t'envoie tout l'amour et toutes les prières de Mousbain de cinéma ta telle légende. » Washington et Fox ont joué le rôle du mari de la femme de Ray Tanguanine. Plusieurs autres célébrités ont également adressé leur vœu Fox, notamment Steve Harvey, LeBron James, Jennifer Hudson, Tracy Morgan, Nicole Murphy. Depuis, l'acteur veut beaucoup mieux et plus plaisanter avec sa famille. L'urgence médicale à laquelle il était confronté était grave, ce qu'il se rétablisse complètement. S'il y a une chose qui lui permet de tenir le truc, c'est bien sa famille, en particulier ses deux enfants. Fox a toujours parlé de ses plus grandes réussites et ce ne sont ni ses films ni ses chansons mais ses enfants. Il est fier que quel que soit l'âge de ses enfants, il puisse toujours leur parler d'absolument n'importe quoi. Corinne Canalise considère Fox comme un héros et elles ne sont pas les seules. 2016 Fox a été salué comme un héros lorsqu'il a sauvé un homme de 32 ans et Brett Kidd de sa voiture à feu après un accident. Corinne Fox analyse Bichot et Jamie Fox arrive à la 26e cérémonie annuelle des Screen Actors Guild Awards au Shrine Auditorium le 19 janvier 2020 Los Angeles, Californie. Sur Getty Images, l'acteur insistait sur le fait qu'il n'était pas un héros. Il a plutôt fait ce qui lui semblait naturel de faire à ce moment-là. Il était au volant de sa voiture lorsqu'il heurte un fossé de drainage, ce qui a fait basculer sa voiture et le fait s'enflammer. Qu'il était grièvement blessé à la tête et la poitrine et au cou. Il est récupéré dans un hôpital pendant un certain temps et sa famille est reconnaissante à Corinne Fox pour le rôle qu'elle joue afin qu'il ait une seconde chance de vivre. Corinne Fox analyse Bichot et Jamie Fox s'exprime sur scène lors du concert élogique Clint au She's With You Soji qui est le 6 juin 2016 à Los Angeles, Californie. Sur Getty Images, tout le monde attend des nouvelles sur l'été de Fox. Bien qu'il aille beaucoup mieux, les fans devront attendre un certain temps avant de voir l'acteur de retour d'action avec sa santé comme priorité absolue. L'héroïste Tom Cruise est vu pour la dernière fois public avec sa fille Ellie Addis le summer Cathy Holmes cuisine et lui donne une enfance innocente. Abonnez-vous à mon mamie sur Google News.